Et hey yo tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me dire comment vous allez comme d'habitude en commentaire les gars, comme vous le savez, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour les nouveaux défis de Tentina, donc visiter les buissons vénères, le circuit de tondeuse et Riskiril. Mais avant, comme d'habitude, je vous demandais du coup quelle variante de Tentina vous allez prendre. Donc vous avez Tentina qui est juste ici, une fois tous les défis de Tentina finis, vous pourrez choisir entre la variante ombre ou la variante fantôme. Donc laquelle allez-vous choisir? Donc celle-ci, donc la variante ombre en noir ou la variante fantôme en blanche. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire quelle variante vous allez choisir, laquelle vous préférez, et nous c'est parti, on se retrouve en game. Allez, c'est parti les gars, on se retrouve en game donc pour visiter le circuit tondeuse, les buissons vénères et Riskiril. Donc on commence tout de suite avec le circuit tondeuse. Donc d'ailleurs, je vous conseille d'aller en fort d'empoigne, c'est plus simple tout simplement parce qu'on peut redéployer notre planeur. Donc on commence avec du coup le circuit tondeuse qui se trouve tout simplement en F2. Donc juste ici, je vous montre sur la carte. Donc là, on va en F2, donc juste ici. Et là, ici, on a le circuit de tondeuse. Je vous conseille de commencer par le circuit de tondeuse tout simplement parce que c'est plus simple. Ça, vous avez la hauteur pour directement ensuite aller au buisson vénère qui se trouvera juste ici. Donc là, on commence, vous allez voir. Donc vous pouvez aussi l'utiliser parce que c'est un lieu notable. Donc pour votre défi, visiter des lieux notables, voilà, circuit de tondeuse. C'est déjà validé, donc vraiment c'est un circuit, c'est un lieu notable, donc je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas fait le défi, d'aller ici, ça vous validera du coup visiter le circuit de tondeuse et en même temps du coup visiter des lieux notables. Ensuite pour le hop, pour les buissons vénères, c'est tout simplement à côté de Plaisante, donc juste ici. Donc voilà, c'est juste là en E3. Donc vous allez là, donc là on voit E3, donc juste ici, hop, E3. Et on s'y rend. Donc comme j'ai dit, en fin d'empoigne, on peut redéployer notre planeur. Putain, aujourd'hui j'ai du mal à parler. Alors hop, on y va tout de suite. Donc d'ailleurs, il faudra monter un tout petit peu plus haut. Et Riskiril, pour le coup, c'est hyper connu. Pour Riskiril, il faudra tout simplement aller juste ici, voilà, juste là. Donc, je remonte après tous les emplacements. Donc tac, on va aller vite fait au buisson vénère. Tac. Donc là, on y va de suite. Normalement, c'est juste à côté. Je conseille vraiment d'aller en fort d'empoigne, les gars. Je vais essayer de monter un peu plus haut parce qu'à chaque fois, je sais pas pourquoi ça m'annule ma construction. Donc je pense qu'il y a des petits bugs, c'est pas très grave. D'ailleurs, on a un autre lieu notable, pont en acier. Donc tac, là on va voir, normalement depuis les airs on peut le voir, les buissons vénères normalement. Si je me trompe pas, ils sont vraiment collés à Plaisante. Voilà, juste ici, hop là. Tac, et là normalement on va les voir depuis le ciel. Donc c'est, voilà, juste ici. Là on les voit. Donc il y a des ennemis, je vais essayer de pas les fight. Parce que j'ai pas d'armes. Donc les buissons vénères, vous allez voir, depuis le ciel on les voit, hein, vraiment. À moins que quelqu'un s'amuse à les casser. Bah là par exemple on a un joueur qui s'amuse à les casser, mais le buisson vénère c'est juste ici. C'est vraiment juste à côté de Plaisante, vous allez le voir, il y a un œil et une bouche pas content. Je mettrai l'image en entier, du coup, hop, à l'écran. Je vais essayer de me barrer vite fait à Risky avant que l'autre il me tue là. Tac, donc c'est pour ça aussi que j'aime pas trop le faire en game normal, je pense que vous l'avez remarqué. Parce que bah, il y a tout simplement des ennemis et après bah, ils s'amusent à nous tuer le temps qu'on fait les vidéos et tout. Donc c'est compliqué, Riskiril c'est juste ici les gars. Pour le coup Riskiril, je pense que j'ai pas besoin forcément de vous indiquer parce que je pense que c'est hyper connu de la plupart des joueurs, mais pour les nouveaux joueurs, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Riskiril, c'est juste ici. Donc je vous redonne la pause, c'est en E4, E3, E4, voilà, juste ici. Donc comme je vous ai dit, on va à Riskiril, ensuite je vous montre tous les emplacements de nouveau, hop, une petite dernière fois. Donc voilà, Riskiril c'est juste ici. Donc là il y a eu l'événement de Star Wars, donc on reconnaît facilement Riskiril à son écran de cinéma, donc juste ici. Tac, donc voilà, là on est à Riskiril, donc c'est normalement aussi un lieu notable. Donc vous y allez et ça validera le défi de visiter le circuit de tondeuse, les buissons vénères et Riskiril. Donc je récapitule, du coup je vous redis, pour du coup le circuit de tondeuse, c'est juste en haut de Frenzy Farm, on a le champ de pommiers qui est juste ici. Et là on a les tondeuses donc qui sont juste ici, donc le circuit de tondeuse, donc juste là, voilà, juste ici. Et la station de radio juste ici, donc juste là, voilà, mais nous ce qui nous intéresse c'est le circuit de tondeuse. Ensuite, les buissons vénères, ils sont juste ici. Normalement, s'il n'y a pas de joueurs qui les ont cassés, depuis le ciel, vous pouvez les voir. C'est vraiment un buisson genre pas content, en emoji vraiment pas content. Et Riskiril, pour le coup, c'est connu depuis plein de saisons. C'est vraiment, je pense, la ville qui restait le plus longtemps pour le moment. Elle est juste ici, donc en haut de l'agence. Voilà, juste ici. Et le buisson vénère à droite de Plaisante Park. Sur ce, les gars, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne. Sur ce, je vous laisse. A plus et à la prochaine.